Satuma satkamaya tamaso ma jyotirkamaya mrityor ma amritam kamaya om shanti shanti shanti. Nous allons commencer avec un cycle de Kapalabhati. Les expirations se font par le nez. Elles sont brèves, précises. L'abdomen rentre sur l'expire. Sur l'inspire, l'inspiration se fait sans contrainte, sans y penser, et l'abdomen est libre. On commence. Ex, 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 ex. Continuez à votre rythme. Expire, expire, expirez tout l'air et inspirez confortablement. Amenez le menton à la fourchette sternale tout en déployant la cage thoracique Jalandhara Bandha, Moola Bandha. On remonte le périnée. Le bas de l'abdomen a envie de se rapprocher un peu de l'intérieur. Immobilité totale, on concentre l'énergie vers la colonne. Et dès que c'est nécessaire pour vous, vous libérez le ventre, vous libérez la gorge et doucement vous expirez par le nez. Respirez librement. Nous allons pratiquer maintenant Ujjayi Anuloma. L'inspiration se fait toujours en Ujjayi. L'air est freiné au niveau de la glotte. Un bruit très léger, le souffle est très régulier. Rétention du souffle, poumon plein, cage thoracique déployée, menton vers la fourchette sternale, Jalandhara Bandha, Moola Bandha. Et dès que vous avez envie d'expirer, placez la main droite en Vishnu Mudra, bouchez la narine droite et lentement expirez côté gauche sans faire de bruit. En fin d'expire, reposez la main sur le genou. Et à nouveau, inspiration par les deux narines en Ujjayi. Amenez le menton vers la fourchette sternale. Moola Bandha. Rétention du souffle, poumon plein. Aussi longue que confortable. Et dès que nécessaire d'expirer, l'expiration va se faire cette fois-ci côté droit. Expirez régulièrement et en fin d'expire, reposez la main sur le genou à nouveau. Inspire en Ujjayi, les deux narines. En fin d'inspire, déploiement thoracique, menton fourchette sternale, Moola Bandha, remontée du périnée, rétention du souffle. Amenez la conscience vers Nabhi, la région du nombril. Et dès que besoin d'expirer, expirez en alternant, une fois côté gauche, une fois côté droit. Inspire en Ujjayi les deux narines, expire en alterné. L'inspiration se fait en Ujjayi, lentement, régulièrement. En fin d'inspiration, vous installez Uddiyana Bandha, cage thoracique déployée, menton fourchette sternale. Rétention du souffle, c'est comme si la cage thoracique cherchait encore à se déployer. Dès que le besoin se fait sentir,
Libérez la gorge, libérez le ventre. Vous changez de narine sur chaque expire et vous expirez très lentement. Et vous continuez. Inspire toujours par les deux narines en Ujjayi. Rétention du souffle, Jalandhara Bandha, Moola Bandha. Totale concentration et présence à la respiration. Et puis libérer Jalandhara pour expirer en alternant. Et vous pouvez garder Moola Bandha tout du long de l'expiration. Inspire en Ujjayi. Remplissez complètement les poumons, Jalandhara Bandha, rétention du souffle, la conscience vers Nabhi, la région du nombril, et puis libérez Jalandhara pour expirer en alternant, et vous pouvez garder Moola Bandha tout du long de l'expiration. Inspire en Ujjayi, les deux narines. En fin d'inspire, déploiement thoracique, menton fourchette sternale, Moola Bandha, remontée du périnée, rétention du souffle. Amenez la conscience vers Nabhi, la région du nombril. Et dès que besoin d'expirer, expirez en alternant. Une fois côté gauche, une fois côté droit. Inspire en Ujjayi les deux narines, expire en alterné. L'inspiration se fait en Ujjayi, lentement, régulièrement. En fin d'inspiration, vous installez Uddiyana Bandha, cage thoracique déployée, menton fourchette sternale. On vient l'expire, libérez la gorge. Expirez doucement sur le côté, en gardant Moola Bandha, le périnée remonte. En fin d'expire, vous relâchez le périnée. Inspire Ujjayi les deux narines. Respiration yogique complète. Rétention, concentration au point du nombril. Jalandhara Bandha. Expirez sur le côté en gardant Moola Bandha jusqu'en fin de l'expire. Et relâchez Moola Bandha. Et la prochaine fois que vous expirez du côté gauche, vous arrêterez. Puis défaites votre assise. Et venez vous allonger sur le dos en Shavasana. Les pieds un peu écartés, ouverts sur les côtés. Les paumes des mains ouvertes vers le haut. Les épaules loin des oreilles. Les bras à quelques distances du corps. Mâchoire, visage détendu. Tout le corps est détendu. Et vous êtes témoin, vous observez le va-et-vient du souffle, le ventre qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. Totale immobilité du corps physique, si ce n'est le souffle qui va et qui vient. Et puis ramenez les pieds ensemble, venez entrelacer les doigts les uns dans les autres. Les jambes sont toniques, les pieds flexent. Montez les bras par l'espace devant vous, les amenez derrière vous au sol. Les jambes sont ensemble, toniques, les pieds flexent. Et dans cette posture de la Tathaka Mudra, le geste de l'estomac, nous allons installer un souffle Ujjayi et des rétentions poumons vides. Inspirez l'air en freinant dans la gorge. Vous expirez le souffle lentement, régulièrement. Et quand les poumons sont vides,
Mulabanda, Jalandhara Bandha. Rétention du souffle poumon vide. Et Uddiyana Bandha vient s'installer tout seul. Le diaphragme remonte, le ventre est comme attiré par la colonne. Et dès que vous avez envie d'inspirer, vous libérez la gorge, vous libérez le périnée, vous inspirez en Ujjayi. Vous expirez en Ujjayi, souffle lent et régulier, et poumon vide, installez Jalandhara Bandha, la gorge, Mula Bandha. Inspirez lentement, profondément en Ujjayi. Expirez lentement en Ujjayi et poumon vide, laissez l'Uddiyana Bandha s'installer au niveau du ventre. Il y a un léger Jalandhara Bandha qui se place dans la gorge. La glotte est bloquée pendant la rétention. Vous pouvez ou non amener le menton vers la fourchette sternale. Le Jalandhara Bandha est de toute façon légèrement installé. La nuque un peu reculée, au moins pendant les rétentions. Expirez très lentement. Et poumon vide, laissez la cage thoracique se déployer. La gorge est fermée. Le diaphragme est comme aspiré vers le haut et le ventre vers l'intérieur. Uddiyana Bandha. Continuez par vous-même. Et puis sur la prochaine inspiration, libérez les mains, libérez le ventre, remontez les bras. Et sur l'expire, redescendez les bras le long du corps. Shavasana. Appréciez le souffle maintenant, libre. Nous allons maintenant quitter la posture allongée, passer par un côté, aidez-vous des mains pour vous asseoir dans une posture jambes croisées confortable ou en demi-lotus ou Sukhasana ou bien le lotus, Padmasana. Entrelacez encore une fois les doigts les uns dans les autres,
Inspire, étirez les bras vers l'avant et le haut. Étirez la colonne. Pratiquez la respiration Ujjayi dans Parvata Asana, la posture de Parvati, la fille de la montagne. Inspirez lentement en Ujjayi. Expirez tout aussi lentement en Ujjayi. Puis venez plaquer le menton vers la fourchette sternale. Jalandhara Bandha, Moola Bandha, la remontée du périnée. La cage thoracique se déploie. Uddiyana Bandha vient s'ajouter. Nous sommes dans le Tribandha, les trois bandhas, qu'on appelle aussi Mahabandha. Toute l'énergie est comme attirée vers la colonne. Plaquez le nombril. Et dès que nécessaire, libérez le ventre, libérez la gorge et inspirez. Expirez complètement en Ujjayi. Et puis, après l'expiration, amenez le menton vers la fourchette sternale en Jalandhara Bandha. Laissez la cage thoracique se déployer, le ventre rentrer, puis libérez la gorge, le ventre. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. Menton, fourchette sternale. Rétention poumon vide, Uddiyana Bandha, la cage thoracique se déploie. Le ventre est aspiré, libéré, pour l'expire, la gorge et le ventre. À votre rythme, la rétention est courte, le temps d'installer l'Uddiyana Bandha, d'installer une vague du ventre vers l'intérieur, une vague qui avance sur l'inspire et qui recule sur l'expire. Un massage en profondeur de l'abdomen. La concentration de l'énergie dans toute la région de Nabhi, la région du ventre. Continuez à votre rythme. Le souffle Ujjayi. Les courtes rétentions. Poumon vide. Faites en sorte qu'il y ait une grande fluidité en début et en fin de chaque geste respiratoire, avant et après la rétention poumon vide aussi. Aucune saccade, à aucun moment. Tout est fluide. Développez une grande qualité d'attention pour les toutes dernières respirations. Ujjayi. En Parvata Asana. Inspire, tournez les paumes vers le bas, expire, défaites les mains et reposez les mains sur les genoux. Goûtez au souffle naturel. Un moment d'immobilité totale, comme un moment de méditation. Avant la suite de la pratique. On vient maintenant défaire l'assise et se mettre en position debout,
en Tadasana. Inspire, expire, venez fléchir le tronc vers l'avant à partir des hanches, le dos dans une ligne. Et suivant vos possibilités, venez poser les mains sur les genoux ou sur les tibias. Ou bien venez poser les mains au sol ou encore attraper les gros orteils. L'essentiel dans cette posture est que le dos soit long et la région thoracique dans l'ouverture, afin de pouvoir faire de grandes respirations Ujjayi. En aucun cas, la cage thoracique ne devrait se refermer et le dos se courber. Pour cela, adaptez la flexion, adaptez la position des mains, afin de pouvoir trouver cet étirement du dos nécessaire à la pratique. Le visage est dirigé vers le bas et plutôt même vers l'avant. Vous inspirez en Ujjayi, profondément. Vous expirez en Ujjayi et poumon vide, laissez l'Uddiyana Bandha s'installer. Il s'installe aisément dans cette posture. Et dès que nécessaire, libérez la gorge, libérez le ventre, inspire Ujjayi longuement. Expire Ujjayi tout aussi longuement. Et enfin d'expire. Uddiyana Bandha. Le ventre rentre totalement. Le diaphragme remonte. Puis libérez le ventre et la gorge. Inspire. Et poursuivez à votre rythme. Cette posture est Uttita Padangusthasana, la posture d'étirement où l'on vient attraper les gros orteils. Poursuivez ces longues respirations Ujjayi, accompagnées d'Uddiyana Bandha, rétention poumon vide. Trouvez votre rythme, la vague du souffle qui entraîne le mouvement du ventre. Venez alors mettre les mains sur le haut des cuisses ou les hanches. Libérez la gorge et inspirez. Remontez en Tadasana. Respiration libre. Et revenez maintenant vous asseoir, les jambes étirées devant vous, puis venez plier la jambe droite, talon vers le pubis et ouvrez le genou sur le côté, mettez-vous face à votre jambe gauche, inspire, étirez les bras vers le haut, étirez tout le dos, et quand vient l'expire à partir des hanches, fléchissez le tronc vers l'avant, attrapez le gros orteil ou attrapez la jambe, vous cherchez à vous reculer, à reculer le dos, à reculer la nuque pour la Mahamudra. En aucun cas, il ne s'agit d'amener la tête vers le tibia. Au contraire, on cherche à mettre les bras en tension et à se reculer les épaules loin des oreilles pour faire un travail de respiration. J'inspire profondément en Ujjayi. J'expire complètement
complètement en Ujjayi, en fin d'expire, Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Un mouvement d'ouverture comme une fausse inspiration au niveau de la cage thoracique, le diaphragme remonte, le ventre est attiré vers la colonne, c'est très facile en rétention poumon vide. Amener l'énergie vers le nombril et dès que nécessaire, libérer la gorge, le ventre, inspire, expire, le menton redescend vers la fourchette sternale, poumon vide, déploiement de la cage thoracique, remontée du périnée, Uddiyana Bandha, puis libérer le ventre et la gorge sur l'inspire, inspire, expire, le menton redescend vers la fourchette sternale, poumon vide, déploiement de la cage thoracique, remontée du périnée, Uddiyana Bandha, puis libérer le ventre et la gorge sur l'inspire, expire, le menton redescend vers la fourchette sternale, poumon vide, déploiement de la cage thoracique, Uddiyana Bandha, puis libérer le ventre et la gorge sur l'inspire, expire, le menton redescend, Uddiyana Bandha, puis libérer le ventre et la gorge sur l'inspire. Vous allez maintenant terminer avec la respiration que vous entamez. Expirez complètement, installez les bandhas, rétention poumon vide, l'énergie vers le nombril, et dès que nécessaire, libérez mula bandha, libérez la gorge, inspire, remontez les bras, expire, descendez les bras par les côtés, ramenez le genou dans l'axe, étirez la jambe à côté de l'autre, redressez votre assise si nécessaire. Et l'on change de côté, c'est la jambe gauche qui se plie, talon vers le périnée, genou ouvert sur le côté. Inspire, étirez les bras vers le haut, expire, flexion avant à partir des hanches, le dos dans sa longueur. On vient attraper le gros orteil, le pied ou le dessus de la jambe. Inspire en Ujjayi, expire en Ujjayi. Poumon vide, Jalandhara Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, les trois bandhas, Tribandha. L'énergie vers la colonne est libérée dès que nécessaire, le ventre et la gorge, inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. Mouvement de fausse inspiration pour installer Jalandhara, Mula et Uddiyana Bandha. Rétention Bhaya Kumbhaka. Et dès que nécessaire, libérez le ventre et la gorge, inspire et poursuivez par vous-même. Développez une totale qualité d'attention à votre souffle. Faites un avec le souffle. Terminez la respiration que vous êtes en train de faire.
Dernière rétention. Poumon vide. Le ventre vers la colonne. Puis libérez le ventre, libérez la gorge, inspire, remontez les bras. Expire, redescendez les bras par les côtés. Ramenez le genou dans l'axe, étirez la jambe gauche contre la jambe droite. Vérifiez encore votre assise, le bassin, nantais version légère. Dandasana, le bâton. Les jambes sont toniques. Maintenant, vous allez venir attraper les pieds, le côté externe des pieds ou les gros orteils. Et là encore, on va chercher à rester dans ce retrait par rapport aux jambes. C'est un redressement du tronc, un appui des ischions qui cherchent à se reculer, les pointes des fesses cherchent à se reculer. Et le dos forme une ligne. On installe le souffle Ujjayi. J'inspire profondément, peut-être en Ujjayi. J'expire complètement et rétention poumon vide. Menton vers la fourchette sternale, la poitrine, la cage thoracique qui se déploie. Uddiyana Bandha qui vient s'installer. Et dès que nécessaire, vous libérez le ventre, puis la gorge. Et vous inspirerez. N'hésitez pas à ralentir vos gestes respiratoires et à allonger vos rétentions. Asana devient un geste d'énergie. Paschima Uttanasana. C'est l'équivalent de la Mahamudra avec les deux jambes étirées. C'est d'ailleurs une posture pour les personnes voulant pratiquer Mahamudra et qui ont des problèmes de hanches, de rotation des hanches. Vous allez terminer avec la prochaine respiration. Rétention poumon vide. Inspire, montez les bras. Expire, descendez-les en les ouvrant sur les côtés. Puis venez vous allonger sur le dos en Shavasana pour goûter. Appréciez ce moment de transition, un moment pour savourer le non-faire. Je dépose, je relâche tout sur le sol, en conscience.
Puis venez plier les jambes, passer par un côté. On va revenir se mettre en position assise avec cette fois-ci les jambes en écart. Et vous gardez les genoux pliés pour l'instant. Et on va travailler un petit peu les hanches avec les genoux pliés en se tournant une fois vers la gauche, en cherchant à descendre le genou droit vers le sol. Puis vous vous tournez vers la droite avec l'intention de descendre le genou vers le sol. Vous tournez à gauche, genou droit vers le sol. Vous tournez à droite, c'est le genou gauche vers le sol. Vous tournez d'un côté et puis de l'autre en cherchant à descendre un genou vers le sol. Et vous changez de côté. Et puis venez vous asseoir au centre et venez pousser un petit peu avec vos bras pour reculer les genoux. Et puis cherchez ensuite à placer vos jambes dans un bon écart. Vous êtes assis sur l'avant des ischions. Vous cherchez à antéverser le bassin, le dos long à partir des hanches. Fléchissez vers l'avant, venez poser les mains au sol ou les avant-bras au sol. Vous pouvez vous aider à antéverser le bassin en attrapant une fesse et en la tirant vers l'arrière. Et puis faites la même chose de l'autre côté pour placer le bassin dans la bonne position. Plusieurs respirations pour apprivoiser la posture d'Upavista Konasana. L'angle en écart. Entrez dans le rythme du souffle, son va-et-vient, sa longueur. Percevez son passage et rendez-le le plus libre possible. Et puis, si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez maintenant chercher à descendre un peu plus, comme si vous vouliez amener le sternum vers l'avant, les mains vers l'avant et vers le bas, ou bien les mains vers les pieds, les épaules et le sternum vers le sol, le menton peut-être au sol, soit les bras vers l'avant, soit les mains vers les pieds. Vous pouvez attraper les gros orteils si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise dans la posture. Les pieds restent flex. Encore une fois, on recherche l'aisance du souffle dans l'asana. Et puis pour remonter, vous pouvez, si vous le souhaitez, reposer les mains au sol ou remonter sans la force des mains. Venez mettre les mains jointes devant la poitrine en namaskara. Et puis roulez sur l'arrière des ischions, ramenez les jambes l'une contre l'autre et venez vous asseoir sur les talons, les mains sur les genoux quelques instants. Et puis venez vous asseoir
à droite des talons. Venez mettre la main gauche, le bout des doigts au sol, sur le côté. Inspirez, tirez le bras droit vers le haut, contre l'oreille, avec l'intention de vous tourner vers la droite et de vous ouvrir vers la droite, comme si le sternum voulait regarder vers le plafond. Dans cette posture de Tolangulasana, le balancier, recherchez le souffle dans l'étirement, dans le flanc. Étirez avec bienveillance toute cette région. Percevez le travail qui se fait sur les fascias. Allez là où c'est juste. Il y a un travail, il y a un effort. Mais un effort juste qui fait du bien. Inspire dans la posture et sur l'expire, redescendez le bras. Vous allez maintenant venir vous tourner complètement sur la droite. Tentez si bien que la fesse gauche peut aller jusqu'à se découler et vous passer sur l'extérieur de la cuisse droite. Le bout des doigts au sol vous aide à vous redresser, à vous verticaliser. C'est une posture de torsion, comme si vous cherchiez à vous enrouler sur vous-même. Le souffle dans la posture, dans la torsion. Inspire et sur l'expire, revenez. Puis venez vous asseoir cette fois-ci à gauche des talons. Venez mettre la main droite au sol, le bout des doigts de la main droite au sol, un peu vers l'avant. Inspire, montez le bras gauche contre l'oreille, tournez-vous. Comme pour ouvrir encore plus le côté gauche et avancer le sternum vers le haut. Ressentez l'ouverture du flanc, le massage des organes, l'amplitude du souffle et l'étirement intense des fascias. Inspire et sur l'expire, redescendez le bras. Venez vous tourner cette fois-ci complètement vers la gauche, les deux mains du côté gauche. Passez sur le côté extérieur de la cuisse gauche. La fesse droite peut se décoller. Repoussez le sol du bout des doigts. Redressez-vous. Allongez votre dos et votre nuque. Respirez. Inspirez sur l'expire, revenez, quittez la posture. Venez à nouveau vous asseoir sur les talons. Et puis montez sur les genoux. Étirez la jambe droite sur le côté droit, les orteils vers l'avant. Venez placer la main gauche au sol, dans le même axe que votre pied droit, le genou gauche. Et venez passer le bras droit devant le visage pour l'étirer dans la même ligne qui va du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Respirez dans le flanc. La sensation dans l'abdomen. Inspirez sur l'expire, repassez le bras par devant vous, remontez. Venez mettre la main droite sur la jambe droite. Inspirez, tirez
le bras gauche contre l'oreille pour la posture de Parigahasana, la posture du battant de porte. Inspire et sur l'expire, flexion à partir de la hanche. Flexion sur le côté droit, la main vers la cheville, le pied. Inspire, revenez, expire le bras le long du corps, on replace les deux genoux l'un contre l'autre et on vient changer. C'est la jambe gauche qui s'étire. On vient placer la main droite au sol dans la même axe que le pied gauche et le genou droit. Sur l'inspire, on passe le bras gauche devant le visage et on l'étire contre l'oreille, proche de l'oreille. On étire du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respiration de tout le côté gauche du corps. Inspire, repassez le bras devant le visage. Expire, remontez. On vient se préparer maintenant pour Parigahasana. Inspire, montez le bras droit contre l'oreille, la main gauche descend sur la jambe, expire, flexion à partir de la hanche, bascule du bassin, le bras droit contre l'oreille, proche de l'oreille, et la main gauche qui descend. Restez dans l'axe de la posture, ne fléchissez pas vers l'avant, étirement latéral en Parigahasana. Repoussez le sol, ouvrez. Inspire, remontez le bras, expire, ramenez le bras le long du corps, ramenez les genoux l'un contre l'autre, puis venez placer les avant-bras au sol devant vous, écartez un peu les genoux, les paumes de main sont tournées vers le haut, dans la posture de l'offrande, qu'on peut aussi appeler Pushpanjali Mudra, le geste de l'offrande de fleurs. Libérez toute tension dans les épaules et dans la nuque, dans le visage, les mâchoires. Libérez le souffle dans les flancs, dans l'abdomen, et dans le dos. Inspire, enroulez le dos en remontant, vous asseoir. Expire, déroulez jusqu'à la nuque. Et puis venez vous installer sur le ventre, allongé sur le ventre, les bras de chaque côté du corps à quelque distance, les paumes au sol, la nuque longue. Amenez la conscience dans les jambes, de la puissance dans les jambes qui sont ensemble. On se prépare pour une variante de la sauterelle, Shalabhasana. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter le visage, la région de la poitrine. Expire, les deux jambes montent, jointes. Respirez dans la posture de Shalabhasana. Poussez le pubis contre le sol. Inspire, reposez les jambes, expire, faites un coussin avec les mains, tournez la tête sur un côté, laissez les talons s'ouvrir sur les côtés, relaxez bien le bas du dos, percevez le mouvement de va-et-vient du ventre contre le sol. Venez placer les mains sous les épaules, les pieds écartés largeur du bassin. Sur l'inspire, vous asseoir à quatre pattes, le dos rond, et rapprochez les fessiers des talons. Expire, inspire le dos rond, vous avancez le poids vers les bras, vous descendez le bassin, et vous venez prendre la posture du cobra.
pubis au sol. Expire le dos rond, on vient se rapprocher fessiers, talons. Inspire le dos rond, on avance le poids et on vient prendre le cobra pubis au sol. Expire, dos rond, on recule le bassin vers les talons. Inspire, dos rond, puis cobra. Expire, dos rond, pliez les genoux, fessiers, talons. Inspire, dos rond. Et l'on va changer maintenant. Inspire, à quatre pattes, dos rond. Expire, on écarte les coudes, on descend la poitrine en direction du sol et l'on recule les fessiers vers les talons. Inspire, dos rond, on monte, on avance le poids vers l'avant, on monte le visage. Expire, dos creux, la poitrine descend vers le sol, on écarte les coudes et on vient se rapprocher fessiers talons. Inspire, on monte, on avance. Expire, on creuse, on recule. Inspire, on monte, on avance. Expire, on creuse, on retourne. Et l'on va changer de sens maintenant. Les coudes écartés pliés. Inspire, on avance, on monte, on tend les bras, on monte le visage. Expire, on arrondit, on recule le bassin, talon. On écarte les coudes, inspire, on descend la poitrine, on creuse, on avance, on monte le visage. Expire, on arrondit, on vient s'asseoir vers les talons. Inspire, on creuse, on avance. Expire, on arrondit, on recule. Inspire, dos creux, on avance. Expire, dos rond, on recule. Et vous poursuivez. Inspire, on creuse, on avance le poids. Expire, on recule, on arrondit. Continuez ce mouvement. Puis maintenant, prochaine fois que vous avez le dos creux, vous allez chercher à avancer un peu la poitrine, à venir la poser au sol, avancer autant que nécessaire pour cela, les coudes bien écartés, respirez ainsi dos creux, et puis tout doucement glissez en avant et venez prendre la posture du cobra, les mains à plat au sol, les pieds peuvent s'écarter un peu mais pas trop, maximum 10 cm à peu près. Les épaules loin des oreilles dans le cobra. Le pubis presse dans le sol pour protéger les lombaires. Couvrez la région du cœur. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Inspire dans la posture, expire, on revient, on fait un coussin avec les mains, on tourne la tête sur un côté. Détendez, relâchez tout, dans les fessiers, dans les jambes, les pieds, le bas du dos, le visage. Puis venez mettre le front au sol, venez plier les genoux, attrapez vos chevilles, préparez-vous pour la posture de Dhanurasana, l'arc. Inspire, décollez la tête et la région de la poitrine en cherchant pour l'instant à garder les genoux au sol. Montez aussi haut que faire se peut. Et puis, dans un deuxième temps, laissez les genoux monter. Les cuisses montées, les pieds cherchent à aller vers le plafond. Ouvrez la région du cœur, dégagez les épaules. La respiration dans l'arc. Soit de garder la posture immobile ou soit de faire des légers mouvements d'avant en arrière dans l'arc dynamique. Et quand cela suffira, vous inspirez et sur l'expire, vous venez reposer les genoux, lâchez les chevilles doucement, venez placer les mains sous les épaules, inspire, pliez les genoux, arrondissez le dos et sur l'expire, venez placer vos bras l'un contre l'autre, les avant-bras, les coudes ensemble,
dans le geste de l'offrande de fleurs. Pushpanjali Balasana, l'enfant, les genoux un peu écartés. Ou si vous préférez, les bras de chaque côté du corps, les épaules basses, les paumes tournées vers le haut, dans Balasana, posture de l'enfant. Le souffle dans le dos. Dans les flancs et à l'avant du corps, partout le souffle tranquille. Rentrez un peu plus la tête entre les épaules, inspire, remontez, revenez vous asseoir en Vajrasana. Et nous allons nous préparer pour Ardha Matsyendrasana, la posture de demi-torsion vertébrale. Venez vous asseoir à gauche de vos talons. Venez placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite au sol, le bras gauche, la main vient attraper le pied droit ou la cheville droite, ou si vous le souhaitez, vous passez la main gauche entre les deux jambes et attrapez votre poignet droit ou votre main droite, ou encore la main droite au sol et le bras gauche contre la cuisse. La nuque peut être dans l'axe du tronc ou, si vous êtes à l'aise, rotation de la nuque vers la droite. Et une fois que tout est bien, venez placer un Kapalabhati dans la demi-torsion vertébrale. Inspirez, hex, 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 hex. De façon rythmique, le ventre rentre sur chaque expiration. Expire, expire, expirez complètement. Inspirez dans la posture, faites une rétention, poumon plein, en amenant la conscience maintenant vers le point entre les sourcils. Retenez le souffle aussi longtemps que confortable. Et quand viendra pour vous le moment d'expirer, expirez en défaisant la torsion et revenez ensuite vous asseoir sur les talons. Venez maintenant vous asseoir à droite des talons. Placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit et venez vous tourner sur la gauche et placez les bras comme tout à l'heure dans la même variante que vous aviez choisi. L'essentiel étant de bien reposer sur les ischions, de pouvoir allonger et grandir la colonne, ouvrir la région thoracique, placer la conscience dans l'axe, jusqu'au point entre les sourcils. Totale concentration. Et une fois que tout est bien installé, Kapalabhati. Expire, expire, expirez complètement et lente inspiration. Comme si vous remontiez la conscience et l'énergie le long de l'axe vertébral jusqu'au centre de la tête, à la hauteur du point entre les sourcils.
totale présence en ce point. Et dès que vous aurez besoin d'expirer, vous expirez en quittant la torsion pour revenir vous asseoir en Vajrasana. Puis venez vous allonger sur le dos, les jambes pliées, les bras en croix. Écoulez le bassin et placez la fesse droite là où était la fesse gauche. Basculez le bassin et les jambes vers la droite. Et si vous êtes à l'aise, allongez les jambes, attrapez les orteils avec les doigts. Amenez bien les deux épaules au sol, l'épaule gauche au sol. Vous pouvez aussi tourner la nuque vers la gauche. Comme cela est possible pour vous. Installez le souffle jusque dans la torsion en cherchant toujours un peu la longueur, la détente de ce souffle. Jatara Parivartasana. La posture de torsion du ventre. Et puis sur la prochaine inspiration, pressez un peu les bras dans le sol, ramenez les deux jambes pliées. Expire, posez les pieds au sol. Toujours les bras en croix. Vous allez maintenant décoller un peu le bassin de sorte à amener la fesse gauche là où était la fesse droite. Les genoux vers la poitrine. Inspire et sur l'expire, descendez. Les deux genoux vers la gauche et peut-être que vous pourrez tendre les jambes et attraper les pieds avec la main. Cherchez à descendre l'épaule droite vers le sol. Le souffle dans la torsion, la vague du souffle jusque dans le ventre. L'allongement détendu du mouvement respiratoire. Puis repliez les jambes, inspire, défaites la torsion, expire, reposez les pieds au sol, laissez les jambes s'allonger, retrouvez Shavasana, les pieds ouverts librement sur les côtés, relâchez tout. Pliez les jambes et placez les bras sous le corps, les paumes à plat au sol, les coudes aussi proches l'un de l'autre que possible, ce qui va rapprocher les omoplates, éloigner les épaules des oreilles.
C'est comme si les bras voulaient passer complètement sous le corps, les coudes cachés. Et là, on vient allonger les deux jambes ensemble et presser les coudes dans le sol. Inspire, décoller le haut du corps et la tête. Et sur l'expire, doucement, venez poser le sommet de la tête au sol pour Matsyasana, la posture du poisson. Les jambes sont ensemble, mais ne contractez pas plus que nécessaire les jambes. Amenez la conscience du souffle dans la région du cœur. Retaya. Allongez, allongez le geste respiratoire comme il peut l'être dans la posture. Le souffle déployé du poisson. Pressez suffisamment les coudes dans le sol afin d'éviter de poser du poids sur la tête. Et quand vient pour vous le moment de quitter la posture, vous allez sur l'inspire décoller un petit peu la tête, la glisser en arrière, allonger une jambe, enlever un bras, allonger l'autre jambe, dégager complètement la posture, retrouver Shavasana. Les effets subtils de la posture. Puis venez maintenant entrelacer les doigts derrière la tête. Décollez la tête par la force des bras. Inspirez sur l'expire, tournez la tête à droite. Inspire, revenez, expire, tournez la tête à gauche. Inspire, l'expire, opposez l'arrière de la tête au sol, les bras sur les côtés. Pliez les deux jambes, roulez sur un côté. Venez vous asseoir sur les talons à l'arrière de votre tapis. Placez les doigts entrelacés les uns dans les autres devant vous. Les coudes sont écartés de la largeur des avant-bras, pas plus. Vous allez venir vous asseoir sur les talons, le front au sol, les coudes au sol. Et puis remontez un peu le bassin. Retroussez les orteils. Et venez monter le bassin, si possible jambes tendues. Cherchez à éloigner les épaules des oreilles, rotation externe des épaules. Respirez dans cette approche du dauphin. Une bonne préparation à Shirshasana, la posture sur la tête. La tête est dans l'espace. Les bras repoussent le sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer en dynamique. Expire, vous reculez le bassin. Inspire, vous avancez comme dans une planche. Expire, vous reculez, montez le bassin. Inspire, vous avancez. Expire, reculez le bassin. Montez. Inspire, avancez, descendez. Expirez, reculez, montez. Et vous pouvez continuer cet exercice du dauphin. Si vous ne pratiquez pas la posture sur la tête, si vous pratiquez la posture sur la tête, venez quelques instants dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps, les épaules basses et détendues. Relâchez tout. On inspire, on va se relever, s'asseoir, poser les coudes au sol. Avec les mains, attrapez le coude opposé, rapprochez un peu les coudes. Entrelacez les doigts les uns dans les autres, posez le sommet de la tête au sol. Toute la verticalité de la posture va en dépendre. Retroussez les orteils, montez les genoux et le bassin. Venez ensuite rapprocher les pieds du corps, décoller un pied puis l'autre en amenant les talons vers les fessiers. Trouvez votre stabilité et une fois que vous y êtes, cherchez à monter les genoux vers le plafond et déplier les jambes. Trouvez votre équilibre, repoussez le sol avec vos bras, nuque toujours longue, éloignez les épaules des oreilles. Shirshasana.
la posture sur la tête. Observez votre souffle, laissez-le s'allonger, se relaxer, trouver une aisance par la force de l'expérience. Le souffle devient de plus en plus fluide. Il y a très peu de poids dans la tête. Ce sont les bras qui portent. Et quand vous voudrez quitter la posture, vous ramenez les talons vers les fessiers, ramenez les genoux vers la poitrine, et puis reposez les pieds au sol, et retrouvez la posture de l'enfant, le front au sol, pour permettre au sang de redescendre tranquillement. Je libère le mental, je le mets à terre, au sol. Sur une inspiration, venez vous asseoir. On va maintenant prendre une posture jambes croisées pour le pranayama. Bhastri. Bhastri, c'est un petit bhastrika. On va expirer, inspirer à gauche, expirer, inspirer à droite, expire, inspire à gauche, expire, inspire à droite, de façon très rapide, mais toujours veillez quand même de faire expire, inspire d'un côté, puis expire, inspire de l'autre. Faites-le à votre rythme. L'expire et l'inspire ont la même longueur. Et vous expirez pour terminer côté gauche et inspirez, reposez la main sur le genou, respirez librement. Nous allons pratiquer une respiration alternée maintenant avec rétention poumon vide. Anuloma Viloma avec rétention poumon vide. Vous inspirez par les deux narines, puis vous venez doucement expirer côté gauche, menton vers la fourchette sternale, rétention poumon vide. Et quand cela suffira, vous inspirez du même côté gauche en dégageant la fourchette sternale. Expire côté droit.
Rétention, poumon vide, menton vers la fourchette sternale, retenez. Et quand cela suffit, inspire, libérez. Et expirez côté gauche. On change toujours sur l'expire, bien sûr. Rétention, poumon vide. Jalandhara Bandha si vous pratiquez, Mula Bandha, Namostu Dhyana Bandha. Puis quand cela suffit, inspire du même côté et expire. Vous changez de côté. Rétention poumon vide. Installez les trois bandas. La rétention est courte. On libère le ventre, on libère la gorge, inspire du même côté. Expire, on change de côté. Le souffle est très silencieux. Bahaya Kumbhaka, la rétention poumon vide. Inspire du même côté. Expire, changez de côté. Installez menton, fourchette sternale, les trois bandas. Bahaya Kumbhaka. Libérez le ventre, la gorge. Inspire du même côté. Expire de l'autre côté. Menton, fourchette sternale, tribanda, peut-être le Om intérieurement. Inspire du même côté, expire, changez de côté et poursuivez par vous-même. Terminerez par une inspiration et expiration du côté gauche, côté lunaire. Intériorisation, reposez la main sur le genou. On va terminer maintenant avec la respiration solaire, Surya Bhedana. L'inspiration se fait toujours du côté solaire, donc on vient replacer la main droite dans la Vishnu Mudra, boucher la narine gauche et inspirer côté droit, menton fourchette sternale, Jalandhara, Mula Bandha. Rétention du souffle, aussi long que confortable, on amène la conscience, l'énergie vers la colonne. On cherche à remonter l'énergie.
concentration de l'énergie dans la région du ventre. Et expire par la narine gauche dès que nécessaire. Et vous recommencez. Toujours inspire du côté droit, côté solaire. Pingala. Retenez le souffle. Rétention. Jalandhara. Mola. Bandha. Longue rétention. Autant que confortable, la cage thoracique se déploie. Dans une fausse inspiration, le ventre vers la colonne, et dès que nécessaire, expiration du côté gauche. Encore, inspire l'énergie du soleil à droite, Pingala. Jalandhara, Mulabandha. Retenez l'énergie du soleil dans la sphère du ventre, Nabhi. Déployez ce soleil intérieur. Toute l'énergie, la chaleur jusqu'à la surface de la peau. Et dès que nécessaire, expire à gauche. Et poursuivez par vous-même. Dernière respiration, Surya Pidhana, rétention du souffle, meilleure qualité d'attention, retenez aussi longtemps que confortable l'énergie du soleil, et dès que nécessaire, expirez. Du côté lunaire, à gauche, et reposez la main. Nous allons maintenant terminer la séquence de pranayama de fin avec la respiration Shitali. Nous allons prendre une Hasta Mudra, qui est une Hasta Mudra double, qu'on appelle la Pushan Mudra. Côté gauche, en fait, il s'agit de Apana Mudra. Le majeur, l'annulaire et le bout du pouce se touchent. L'index et le petit doigt sont étirés. Côté droit, c'est la Mudra où l'on vient joindre le bout du pouce avec le bout de l'index et du majeur. C'est en fait le geste qui revient à se nourrir. Donc à gauche, Apana Mudra, c'est le geste de l'élimination. Et à droite, c'est le geste de manger, d'assimiler. Dos des mains sur les genoux. Pushan Mudra. La respiration Shitali. La respiration par la bouche qui produit le son « shit ».
Et si vous n'arrivez pas à placer la langue en tuyau, vous pouvez très bien la placer comme en paille, comme si vous vouliez boire avec une paille, en kakimudra. Inspire par la langue en tuyau. Si vous le souhaitez, vous pouvez même monter un petit peu le visage comme pour obtenir plus de fraîcheur dans votre gorge. Et puis, rétention poumon plein de quelques secondes seulement. Et dès que nécessaire, expirez, libérez. À nouveau, inspirez par la bouche, peut-être en montant le visage comme pour prendre de la fraîcheur dans la gorge. Rétention du souffle, Jalandhara Mulabandha. Faites descendre la sensation de fraîcheur jusque dans le bassin. Expire par le nez. Poursuivez en boucle. Inspire, la bouche, langue en tuyau. La fraîcheur dans la bouche qui descend dans la gorge. Rétention du souffle, je descends cette fraîcheur jusque dans le bas du bassin. Quelques secondes et puis expire doucement par le nez. Tout de suite en boucle, j'enchaîne à mon rythme. Inspire par la bouche et vous continuez. Encore une dernière fois, inspirez par la bouche, la fraîcheur qui descend, rétention du souffle, la fraîcheur se déploie jusque dans le bassin. Puis expire par le nez. Et là, vous pourrez arrêter la respiration Shitali. Observez la mudra à gauche, à droite. Percevez intérieurement les fonctions de lâcher, d'éliminer et de prendre, d'assimiler, de transformer. L'équilibre nécessaire entre l'un et l'autre. Percevez, ressentez cela subtilement, sans intellectualiser. Et goûtez à l'espace de la pratique. Puis venez maintenant vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation finale. Installez-vous confortablement, peut-être couvrez-vous si nécessaire. Les pieds un peu écartés, les paumes tournées vers le haut. Posez, déposez tout le corps sur le sol. Et mentalement par vous-même,
Détendez, relâchez chaque partie du corps, chaque segment du corps. Instillez la détente partout. Tout le corps est détendu. Le mental est détendu. Placez maintenant votre conscience dans l'espace du cœur. Et laissez cet espace du cœur se déployer de plus en plus. Et plongez dans cet espace. Goûtez à ce moment de repos après la pratique. Maintenant, respirez plus profondément et venez vous étirer de tout votre long. Et puis vous passerez par un côté pour ensuite venir vous asseoir. Pour le mantra de fin, nous allons chanter ensemble le Om 3 fois. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti.